Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de unboxing de... Et là, vous voyez ce petit logo. Eh oui, c'est la Woodbox du mois. Et honnêtement, je l'avais complètement zappé puisque je ne m'attendais pas à la recevoir. En fait, je sais que je dois la recevoir, mais franchement, je l'avais complètement oublié. Donc, je ne sais même pas quel est le thème de la box de ce mois-ci. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ça va être... C'est assez lourd. Ça va être la surprise du chef. On va déballer ça ensemble et on va voir quel est le thème du jour. Et on va vite être fixé. On va essayer de la faire vite hein, parce que chaque fois, elle dure aux alentours de 10 minutes. Franchement, je suis un petit peu long pour ça. On va essayer d'être efficace sur ce coup-là. Je me spoil tout seul. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Je vais juste prendre le track. Mais non, il ne faut pas que je me spoil. C'est quoi le track, le thème? Alors, la box, octobre 2019. Bon, je me spoil, c'est pas grave. Il faut bien que je prenne. Ah oui, c'est les bad guys. Bad guys. Les méchants garçons. Donc c'est la woodbox des méchants, les méchants, les méchants. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a de beau. Bim bim bim. Oh, très très. Oh, ça va être. Ah, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc ça, c'est le tract dans lequel on nous présente le thème. Donc évidemment, je ne vais pas vous le montrer pour éviter de spoiler. Ensuite. PS4, une petite brochure PS4, juste pour nous présenter tous les styles de DualShock. Je savais pas qu'il y en avait autant, dis donc. Il y en a énormément. Bon, bref. Et un tract pour la Paris Games Week. Donc, j'ai la chance d'être Marseillais, donc ça va être top d'aller, enfin, Marseillais, je dirais même au Bagné, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, j'habite plutôt loin de Paris. Donc, la Paris Games Week, ça peut être sympa. Malheureusement, ça va être compliqué pour moi d'y aller. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir le tract. Allez, on va maintenant déballer le contenu de la box. Nous en sommes à près de 2 minutes déjà. Ça risque d'être un peu long. J'espère que je ne vais pas être trop long. Alors, ah ben, nous avons... Attends, ne bougez pas. Eh oui, c'est ça. Nous avons... Première chose que je dis. Ah, mais il y a plus de choses que prévu, dites donc. C'est pas mal ça, c'était pas prévu tout ça. Nous avons déjà... Samurai 8, je vous avais présenté un petit track qui était inclus dans la box du mois précédent. Donc il y avait Samurai 8 qui était dedans. Donc là, nous avons carrément un extrait du manga, au cas où on serait potentiellement intéressé. Donc je ne vais pas vous les montrer pour éviter peut-être me faire bloquer ma vidéo parce qu'il y a des extracts de manga, donc ce serait dommage, même si j'en doute. Mais dans le doute, je préfère ne rien vous montrer du tout. Ça me parle. Ah, c'est bien ça, c'est bien ce que je me disais. Tac, 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 c'est le créateur de Naruto. Alors, je ne connaissais pas, donc... Enfin, Naruto, je connais, mais Samurai 8, je ne connaissais pas. Enfin, on dirait le créateur de Naruto, parce que la patte graphique, vraiment, se ressemble énormément. Oui, il y a énormément de Naruto dans ce que je vois là-dedans. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, visuellement, ça y ressemble beaucoup. Bref, on s'en fout, c'est pas le but du jeu, mais en tout cas, voilà, un petit manga. Alors, c'est pas... C'est une petite brochure, doit faire combien il fait va faire une cinquantaine de pages grand maximum. C'est pas de très très grande qualité entre guillemets, mais c'est très bien déjà d'avoir ça pour nous familiariser avec, pour ceux qui sont intéressés. Deuxième petit goodies qui est là, nous avons un pins. Alors ça, c'est inconnu au bataillon. Alors je vais regarder, hop là, gros plan. Et à chaque fois, de toute façon, je vous mettrai sur un petit présentoir rotatif, donc vous aurez systématiquement, pendant que je parlerai, le petit goodies qui sera présenté sur le présentoir. Hein. Le but, c'est de voir ce qu'il en est. Je vais regarder ce qu'il me dit que c'est. Le pins d'octobre 4 €, on s'en fout. Ce métal de métal ne trahit aucune émotion, pourtant l'intelligence et la cruauté dont sont dotés ces extraterrestres dépassent l'entendement. Ils sont craints dans la galaxie entière. Ça me dit toutefois pas en quoi... Ça consiste, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave, on verra bien. Ensuite, nous avons... C'est bizarre parce que tout ça, ce n'est pas indiqué dans le truc. Pas mal, j'ai des trucs en plus. Parce que j'ai été un euro, je sais pas. Parce que j'ai le droit à un petit cadeau supplémentaire, je ne sais pas du tout. Ensuite, nous avons des cartes. Alors, je vais en ouvrir qu'un seul. Je vais en ouvrir qu'un seul, vous voyez, ils sont là, les cartes. Je vais en ouvrir qu'un seul pour voir à quoi ça ressemble. Et je vous l'offrirai très certainement dans un des futurs concours avec tout un tas de goodies supplémentaires. Donc je vais en ouvrir une pour voir un peu ce qu'il en est. Mais comme je vais essayer de ne pas les abîmer parce que je suis un gros bourrin comme d'habitude, on va essayer de faire ça proprement. Donc ce sont des cartes de jeu.
Et en français, messieurs, dames, en français, des cartes de jeu qui sont plutôt jolies. Et en français, effectivement, en français. Alors, franchement, je ne suis pas du tout un adepte des cartes de jeu. Donc, franchement, je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais les remettre dans cet emballage, juste pour les montrer rapidement. Et pareil, comme d'habitude. Pendant que je parle, à l'instant où je vous parle, vous avez très certainement les petites cartes qui tournent au-devant, enfin, sur un petit présentoir. Ensuite, troisième goodies. Alors ça me fait rire, mais je ne sais pas si je vais le respirer. Troisième goodie, c'est... Oula, ça sent fort. Ouh, c'est une bougie parfumée. Ça sent super bon en fait. C'est une bougie, une petite bougie parfumée. Donc pareil, petit présentoir, vous la voyez, tournez devant vos yeux ébahis. Une petite bougie parfumée du Joker. Quel parfum. Parfum menthe. Ça sent super bon, j'espère juste que si jamais je respire ça, je ne vais pas avoir un sourire qui va monter jusqu'aux oreilles. À titre informatif, en parlant de Joker, je suis allé voir le film. Une merveille. Dites-moi, pour ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé. Exceptionnel. Tout bonnement exceptionnel, je me suis régalé pendant ce film. Ensuite, troisième goodies. D'accord, ok. Je me disais, mais c'est quoi un verre doseur? C'était quoi l'intérêt? Un verre doseur, mais... Hop là, voilà. Un verre doseur Breaking Bad. Alors, je sais que je vais me faire lyncher quand je vais dire ça, mais je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série. Donc je ne sais pas si c'est bien. Évidemment, c'est bien, puisque tout le monde m'a dit que c'était très bien. Mais je ne me suis jamais fait ma propre opinion pour me dire si c'est bien ou pas. Donc je sais, c'est pas bien, mais je n'ai jamais vu Breaking Bad. Ensuite, le petit t-shirt du mois. Le petit t-shirt du mois, on va le déballer. Alors je vais vous passer les instants ASMR, parce que j'ai ouï dire que certains étaient très crispés quand je faisais ce genre de choses. Donc on va éviter de le faire. Le t-shirt, c'est un t-shirt à l'effigie. Alors là, je vais pas le mettre sur le présentoir parce que ce sera très très long. Hop, alors vous le voyez avant moi. Je sais pas si je suis derrière. Ah, en fait, on dirait Alien. C'est Alien. Il est super beau. Enfin, super beau. Il est simple, mais il est très très beau. Après, faut aimer Alien. Hein. Faut aimer Alien. En tout cas, il est plutôt joli. Il est plutôt joli. Un énième cadeau. Ensuite, un cadeau supplémentaire qui n'était pas indiqué dans le contenu de la box à l'origine. Et ça, ça semble être un énième t-shirt. Et un t-shirt. Alors, évidemment... Ce sera pas pour moi parce que c'est beaucoup trop petit, c'est du M. Mais comme il n'était pas prévu, je soupçonne que ce soit un cadeau supplémentaire. Je sais à qui l'offrir. Enfin, à qui l'offrir. Je sais qui y aura droit. Puisque j'ai ma fille qui est également une grande fan d'Avengers. Donc elle aura droit. Ma grande, hein, parce que la petite vous la connaissez, mais la grande vous l'avez jamais vue. C'est une grande fan d'Avengers. Donc il est tout à fait possible que je lui passe. Bon, c'est taille. Enfin, c'est âme, c'est une coupe homme. Mais il est très joli. Avengers. Et Endgame, messieurs, dames. Avengers Endgame. Vous voyez, il est sobre, mais efficace, une nouvelle fois. Plutôt joli. Donc, rien à voir avec le thème Bad Guys. Mais en tout cas, j'apprécie le geste, parce que je vais vérifier quand même une nouvelle fois, au cas où je serais fou et sénile. Non, ce n'est pas du tout indiqué dans le kit. Aussi bien le t-shirt Avengers Endgame que les stickers, les images... Final Fantasy 7 et le manga, ce sont tous des goodies qui ne sont pas prévus dans la boîte à l'origine et je les ai eus. Franchement, je suis plutôt content. Très très bonne surprise de la part de Woodbox. Merci Woodbox. Et enfin, pour terminer, une figurine Q. Enfin, ouais, je vous dis que c'est une figurine Q, par contre, j'aurais voulu vous vouloir le dire, mais bon, je vous ai spoilé un petit peu. Mais figurine Q, sur quel thème? Vous imaginez que c'est un vilain, encore une fois. C'est... Ting ! Freddy Krueger. Alors, pendant que je la déballe, puisque moi je suis très malin, vous allez voir une petite image dans laquelle va tourner le petit Freddy Krueger sur son petit support rotatif. Vous allez pouvoir le voir. Ah, on va essayer de l'ouvrir correctement. Elles sont... C'est un peu plastique. Elles sont très très jolies. Ces figurines Q, je les connaissais parce que je vous l'ai dit lors de mon premier déballage d'une figurine Q. Je les connaissais, mais je les avais vues. On dirait des mini SD, mais c'est pas forcément des SD. J'ai du mal à identifier, mais franchement, c'est super joli.
Alors vous avez vu, donc je ne vais pas vous la présenter une fois de plus. Mais en tout cas, une nouvelle figurine très 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 jolie. Donc c'est la Woodbox Bad Guys. Et je trouve qu'elle est super super bien foutue. Et en plus de ça, j'ai vraiment pas à me plaindre puisque dans cette Woodbox là, j'ai eu tout un tas de goodies supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Franchement, je suis plutôt content. Donc voilà, c'était une petite déballage rapide et une présentation rapide de cette petite box. Les amis, je sais que ce sont des vidéos qui ne font pas forcément beaucoup de vues, mais j'aime bien vous proposer ça et ça vous permet également d'être sensibilisé sur les potentiels petits cadeaux que vous allez recevoir, puisque ça, ce sont en général les petits goodies, certains je les garde et d'autres je vous les garde pour vous. En général, vous avez dans les phases de concours un gros cadeau, soit du Wreckfest, soit un autre concours, puisque ça arrive très très bientôt, fin novembre, début décembre, vous allez avoir un nouveau concours dans lequel vous pourrez gagner un cadeau qui est encore un peu plus sympa que le Wreckfest. Et je vous y greffe en général tout un tas de petits goodies. Et là, en l'occurrence, ben, je vous garderai certains goodies. Peut-être... Bon les amis, j'ai été lâchement abandonné et lâché par mon appareil photo. Il vient de rendre là, bon, vous en êtes rendu compte, puis ça fait une petite coupure sauvage. Donc voilà, mon appareil photo a rendu même plus de batterie. Zut, zut, zut. Bon, c'est pas grave, la vidéo sera un peu tronquée, mais comme le déballage a été fait, je ne pouvais pas la refaire, bien évidemment. Donc les amis, encore une fois, je suis désolé pour la coupure. Mais en tout cas, voilà, dites-moi, je disais, c'était très important. Je disais que donc je sais que ce type de vidéo ne fait pas forcément beaucoup de vues, mais j'adore vous proposer ce type de contenu puisque c'est ces contenus-là en additionnel que je vous propose dans les futurs concours que je vous rajoute. Donc vous avez droit, comme je le disais, à un cadeau principal et en général je vous greffe plein de petits goodies. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous rajouter ce type de goodies que vous n'avez pas forcément. Et donc voilà, c'est plus histoire de marquer le coup, c'est pas forcément un cadeau qui est très très important, mais ça me permet à moi de marquer le coup avec vous et de vous proposer des petits cadeaux supplémentaires en plus du jeu principal ou du futur cadeau qui sera présenté dans le futur concours qui arrivera début décembre. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Désolé pour la petite coupure et désolé pour la qualité très certainement de la dernière vidéo, de la dernière image en tout cas que vous allez voir. Je suis désolé, cet appareil photo m'a lâché, il va falloir que je m'achète une seconde batterie pour pouvoir tourner en cas de problème. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus, je vous laisse laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si ça vous a plu. N'hésitez également pas à laisser des petits commentaires, surtout ça me permettra de faire encore plus évoluer la chaîne. On se retrouve donc ce week-end pour une nouvelle session sur Gran Turismo Sport et très certainement tout un tas de choses. Merci à tous, salut.